Imaginons que nous sommes en Afrique centrale, une région où l'on peut trouver des termites du genre Apicothermes. En suivant une galerie de termites, nous allons pénétrer dans l'un de leurs nids. Ce nid est composé d'une série de structures reliées entre elles par des galeries souterraines. On les appelle des calies. Une calie mesure une quinzaine de centimètres de haut et son diamètre ne dépasse pas les 10 cm. Afin d'étudier la structure complexe du nid et de comprendre le mode de construction des termites, les scientifiques du Centre de recherche sur la cognition animale de Toulouse ont utilisé la tomographie à rayon X pour scanner cette termitière. Cette technique permet aux chercheurs d'étudier la structure interne de la termitière dans ses moindres détails sans détériorer l'échantillon. C'est grâce à ce travail que nous pouvons maintenant déambuler dans les galeries de ce modèle de termitière 3D. Elles sont construites par des termites du genre Apicothermes. Les Apicothermes sont des termites qui construisent et vivent sous terre. Leur habitat et la structure de leur nid rend leur étude très complexe et les scientifiques ne possèdent aujourd'hui que peu d'informations sur ce genre. La structuration sociale chez les termites est très développée. Les termites sont l'exemple le plus ancien d'organisation sociale. 150 millions d'années. Les individus de la colonie sont répartis en différentes castes, chaque caste ayant un rôle particulier à accomplir. La spécialisation des rôles entre les différentes castes est l'une des plus poussées du règne animal. Même si la plus connue est certainement celle des reproducteurs, la reine et le roi, les autres castes sont tout aussi fascinantes. Ainsi, les soldats, avec leurs mandibules impressionnantes, sont adaptés à leur fonction de défense de la colonie. Leur adaptation est telle qu'ils sont, chez la plupart des espèces de termites, incapables d'accomplir aucune autre tâche. Ils ne peuvent pas se nourrir seuls. Et si, d'aventure, ils se retrouvent à l'extérieur du nid, ils sont incapables de creuser pour rejoindre la colonie, ce qui les condamne à mourir de faim à l'extérieur du nid. Au sein de la colonie, les ouvriers assurent le ravitaillement, le nourrissage des soldats, de la reine, du roi, des larves, les soins aux œufs, le nettoyage et la construction du nid. Tous les termites laissent des traces chimiques lors de chacune de leurs activités. Il existe ainsi une multitude de molécules qui ont chacune un rôle. Une molécule pour signaler le passage d'un termite, une autre son appartenance à une espèce, voire peut-être à sa caste, etc. Ce sont des phéromones. Les termites ont un système de reconnaissance adapté et chaque phéromone, ainsi que sa quantité, induit un comportement spécifique chez l'individu qui la reconnaît. Ainsi, une galerie peu fréquentée sera pauvre en phéromones de piste. Au-dessous d'un certain seuil, cet appauvrissement déclenche chez les ouvriers un comportement de construction ou de rebouchage de la galerie. La construction même du nid ne se passe pas différemment. Un nid de termites est une structure en perpétuelle évolution. Les ouvriers déconstruisent et reconstruisent en permanence des galeries. Chez d'autres insectes, les scientifiques ont montré, en laboratoire, que la construction d'une structure en apparence extrêmement complexe et parfaitement adaptée à son environnement pourrait être expliquée par la reconnaissance d'une phéromone et le comportement induit sur les individus. Lorsqu'ils construisent, les termites enduiraient les boulettes d'argile qu'ils transportent d'une phéromone spécifique. En absence de cette substance, le premier termite à construire déposerait sa boulette au hasard. Mais un second termite reconnaîtrait la phéromone sur la boulette et aurait tendance à ajouter la sienne à cet endroit. C'est un début de construction. Plus cette construction se charge en phéromones, plus elle attire de nouveaux constructeurs. Un ouvrier donné ne contrôle pas son activité bâtisseuse. Son travail est déclenché par les informations transmises par son environnement immédiat. De nombreuses questions restent encore ouvertes. Comment s'organise la vie dans de tels nids? Comment l'architecture du nid intervient dans la régulation de la température, de l'humidité et de l'oxygène? Ces questions intéressent les biologistes, mais aussi les urbanistes et les architectes qui aujourd'hui s'inspirent des principes de construction d'insectes sociaux pour concevoir de nouvelles formes d'architecture.